Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le troisième épisode de mon Let's Play sur le jeu Age of Empires 3 Complete Collection, acte 6 si je me souviens bien. Oui, non, peut-être 6, 7, je sais plus, épisode 3 ça c'est sûr, mais 6, 7 je sais plus. Voilà, donc nous sommes dans la campagne chinoise où nous avons mené une expédition jusqu'au golfe du Mexique. Donc nous avons atterri sur le golfe du Mexique et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ah oui, c'est vrai, il y a eu, enfin, atterri, entre guillemets, parce qu'il y a eu une tempête, du coup, il faut récupérer les navires qui se sont un peu échoués un peu partout. Il va falloir s'en occuper. Alors, donc ici, ça fournit des trucs. Nous sommes à acte 6. Dans l'idéal, c'est qu'il nous faudrait pas mal de bois. On va essayer de setup des trucs, on va essayer de setup des trucs correctement. Alors c'est assez étrange parce qu'ils ont commencé par faire une académie, militaire avant toute chose. Ce qui est un peu bizarre. Alors attendez, je crois que j'ai envie d'éternuer, c'est un peu compliqué. Ah oui, on va faire un petit groupe. Voilà. Go. Alors. Des indigènes. On dirait qu'ils croient que nous nous sommes échoués ici intentionnellement. Allez, petit uppercut. Voilà. Bon, ils sont un peu poc là, des gens, c'est pas cool. Mais oui, je sais que je suis attaqué. Ok. Alors. Ok. Donc ça branle rien ici. Ça branle rien, il me faut du bois. Il me faut genre masse bois. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que comme il y a de la nourriture qui arrive en permanence ici, on va envoyer. Bah oui, donc je vais te le garder. Allez, poké-le-moi. Un petit peu de nourriture en plus. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse mettre. Ah, on peut aller là-bas directement. J'allais dire qu'il faudrait que je puisse mettre un centre-ville. Histoire de d'avancer un minimum. Ou alors j'en. Ouais. D'accord, il m'a tout de suite derrière. Ah, mais on a des trucs quand même. On a quelques trucs. Ok. Ok. Alors attendez, parce que du coup. Ah, je demanderais bien des unités utilisant. Oh la vache. Voilà, ok, c'est bon. Ce que je voudrais, c'est récupérer des unités militaires, sinon on va galérer. Et suffisamment de bois pour pouvoir passer à la pouvoir construire un centre-ville. Évidemment, il n'y a pas d'or qui traîne. Pff. Allez, go, on va attaquer ça déjà si on peut, ça serait cool. Histoire qu'on puisse récupérer le bateau. Je suppose que le navire à trésor va nous servir à récupérer des trucs. Donc autant en profiter. J'ai eu une discussion très intéressante avec des potes qui ont pas mal joué au Age of Empires quand ils sont sortis. Oula, ouais, ça m'attaque. Ces derniers temps, j'ai eu une discussion vraiment sympathique. Boum, allez hop. Faites pas chier. À propos de. Enfin, ils ont joué au Age of quand ils sont sortis essentiellement, surtout l'Age of Empires 3. Et ils m'ont dit que c'était vraiment une grosse révolution à l'époque parce que quand ils avaient beaucoup joué aux deux ou à Age of Mythology, voir les flèches, les mecs qui prennent des flèches pour aller attaquer les bâtiments, des flèches enflammées, c'est cool. C'est plutôt cool. Non, pas toi. Toi, non. Et l'évolution technique, je trouve que le jeu d'ailleurs, techniquement, est vraiment cool. Toujours. Oh là 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 là. Oh, le mec il t'a fait un. Il nous a fait Jean-Claude Van Damme. Ils ont pas tout compris en face. Bon, par contre, je suis vraiment plutôt mal. Ok, là ça récupère des ressources. Ok. Summer? Il faut sécuriser tout ça. Du coup, en fait. Ah ouais, ok.
Je viens de comprendre. Je viens de comprendre, je viens de comprendre le truc. Donc en fait, il faut qu'on sécurise les bateaux. Elles nous fournissent des unités. Et nous, il faut qu'on sécurise les bateaux. Et en fait... Ah non, mais il nous faut un peu de bois quand même. Ah, ça c'est pas drôle. Parce qu'il faut quand même qu'on ait un minimum de... Ok, c'est bon. Alors, il fournit du bois. Je vais peut-être faire venir de l'or. Parce qu'il nous faut encore de la place. On va faire venir les unités ici avant qu'on ait des problèmes. Ah, j'ai pas assez d'or. Non, hop. Je vais les mettre à la coupe de bois. Donc nous... Ah d'accord. Non mais pourquoi t'es rentré dedans? Voilà. Ok. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on protège les baraquements, parce qu'ils vont se faire attaquer régulièrement. Les baraquements, les navires, pardon. Ils vont se faire attaquer régulièrement par des indigènes du coin. Donc il faut qu'on les protège, il faut qu'il y en ait au moins un qui survive, du coup il vaut mieux mettre des baraquements devant, histoire de pouvoir produire des unités en amont. Tiens, récupérer de l'or, parce que ça pourrait nous être vachement utile. Il va falloir qu'on aille chercher le prochain... Ok, quelques unités, dans l'idéal il m'en faudrait un peu plus quand même. Toc, je l'ai fait monter un petit peu. Mais le bois me fait quand même vachement défaut. Le bois et l'or. Voilà, c'est bon. Alors. Oula, oula, ça attaque. Wow. C'est quoi ces trucs? Les guerriers jaguars, ils font quand même vachement mal. Encore? Ok. Ok, bon. Ok, d'accord. Désolé si je parle pas beaucoup, là je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. On va aller tenter là-bas. Je sais pas comment on peut passer par ici. Non, bon, ok, on va faire le tour plutôt. Passer par là. Tac, 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 tac. Ah oui, mais en fait ici, par ici, ils n'ont pas l'air de pouvoir arriver. Sauf par bateau. On va aller avec notre petite armée ici. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que vous foutez là? Ok. Boum! Ça c'était méchant. Ça c'était méchant. On va faire venir du bois. Ok. La déesse soit louée. On va aller Vous êtes venu. sécuriser ce tabou, ce bateau. Attention aux indigènes, ils sont redoutables. Wow. Les mecs qui te sortent de... Ah non, c'est les nôtres. J'ai cru que c'était... Ah oui. C'est marrant, ils tirent dans l'eau et ça fait plus de flammes. Okidoki. Ok, donc toi tu produis quoi? De la bouffe? Voilà, hop. À la limite, toi, tu vas chercher ça. On va faire venir des unités ici, parce qu'ils n'ont pas l'air de pouvoir attaquer de l'autre côté. Ah, du coup, j'ai plus de bouffe. Les pièces, on s'en fiche un peu.
Ah. Allez, finissez-moi tout ça. Ils sont nombreux, hein. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait mal? Ok. Où est-ce que vous en êtes? Ok, d'accord. En espérant qu'ils attaqueront pas trop par là. On va continuer ici, on va essayer d'atteindre l'autre. Hein. Même si ça me paraît quelque peu compliqué. Wow, on prend tel... What? Bim! Voilà, ça c'est bon. Ok, du coup, les quelques unités qu'on a là, on va pouvoir aller les balancer un petit peu. Ouais. Pas assez de place. Point assez de place. Ah. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils attaquent à 3 Pékin, comme d'hab. Allez, venez là. On va les faire avancer un petit peu. Oh, c'était cramé. Ok, c'est mieux. Par contre, c'est... Mortier d'infanterie, passez en mode mobile, s'il vous plaît. Donc là, ça avance. C'est plutôt cool. J'ai une unité au cas où. What? Ok. C'est arrivé je ne sais d'où. On va aller tabasser un petit peu tout ça. Alors, attendez. Parce qu'on va se traîner si ça continue. S'il vous plaît, passez en mode vitesse supérieure. Alors, ah, par contre c'est l'enfer, on le sent tellement les machins qui prennent 3 plombes à attaquer, à se positionner. C'est chiant ces trucs en hauteur. Allez! Vous êtes plein à pouvoir attaquer en hauteur, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de vous toucher la nouille! Oh là là! Je vais faire venir des Shunoku en masse. Parce que c'est plus possible, c'est cancéreux. C'est relou. Il y en a masse, c'est très chiant. Oh là là. J'ai envie de dire, allez hop, tout avance, on va voir ce qu'il y a devant. Ok, il y en a encore plein. Vous avez fini, oui? Oh, vous savez quoi, vous restez là. Histoire de libérer un petit peu le... La bande de crétinos. Allez, nous, on avance d'un coup. Vous savez quoi? On va faire tout avancer ici, parce que sinon, on n'est pas arrivé. On n'est tellement pas arrivé. Non mais les mecs ils sont canardés, ils sont là en mode oh bah c'est tranquille les mecs, ici c'est bien, on se fait tirer dessus mais c'est pas très embêtant. On va attendre, on va rester comme ça à se faire canarder du haut.
Ouais. On y arrive. Oui, bah c'était compliqué pour pas grand chose tout ça, hein. Pas ce qu'il y a de plus top. Oula. Oulala. J'ai eu qui lag. Oh, c'est bon. Bon, on y est arrivé. Faites vite, capitaine. Nous ne pourrons pas résister très longtemps. C'est tout ? J'en ai assez. Étrangers ou non, nous n'essayons pas de leur nuire. Mettons un terme à cette petite bataille, puis ce sera la guerre. Ok. Au calme. Les déclarations. D'accord, faut aller détruire le village en dizaine. Nos hommes sont saufs. Ils vont pouvoir nous dégager la voie jusqu'au camp. D'accord. Bon, bah go. Ah non, je suis en train de me gratter l'œil. C'était pas bon. Pourquoi ça met autant de temps? Alors. Alors, vous arrêtez vraiment. Vous... Non. Les mortiers. Où sont les mortiers? Et ça attaque en continu oui ou quoi? Là c'est n'importe quoi. Alors. What? Des gens ici. Ok. Allez, on attaque. Faut aller péter ça. Ah! Oula! Ils sont fait bien défoncer. J'ai envie de dire, il est temps de faire quelque chose. Là, ça devrait résister à une prochaine attaque. Waouh! Allez, tapez-moi dans le tas là. Une petite grenade, s'il vous plaît. Boum! Oh là là. Allez, pétez-moi ça. Allez, go. On va attaquer tout ça. Ok, on va y arriver. Oh la vache. Ça va le nombre d'archers? Non, en vérité, on va pas y arriver du tout. Oh là là. Ah merde. J'ai pas vu qu'ici on m'attaquait. Ah mais il y a un chariot bâché. Ok les mecs. Bon bah c'est mieux. J'ai fait de la merde là du coup en faisant ça. C'est moi, j'ai fait de la caca. J'ai fait de la grosse caca en faisant ça. Ouais. Ok, bon bah si on a un chariot bâché, ça change un peu la donne. Surtout que là du coup je vais pouvoir... Alors toi je vais te faire reculer parce que le capitaine Liang va en avoir besoin. Alors. Oh mais je suis débile du coup. J'avais pas vu qu'on avait un chariot bâché. Voilà, maintenant c'est mieux. Une fois qu'on a quelque chose pour attaquer, enfin... Quelque chose à bien setup. Non, le mieux c'est que tu
à y récolter ce qu'il y a là. J'ai plein de coffres à récupérer. Voilà, 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 voilà. Une fois qu'on a tout ça... Ah mais non, mais du coup j'ai plus de nourriture. Shit. Ah si. Je m'envoie une carte qui fait que je vais récupérer pas mal d'unités de... Vous, vous servez à rien. C'est la guerre permanente ici. Et les mecs, ils attaquent, ils avancent. Qu'est-ce qu'ils font? Ça va encore réattaquer, de toute façon. Alors, vous. Oh, c'est relou. On a compris que vous attaquiez de loin. Alors. Oh là là. J'ai envie de vraiment d'attaquer là. Parce que c'est n'importe quoi. Ça pop à une vitesse. Oh et c'est bon, on a compris. Trop d'unités partout. Ah, j'arrive pas à me concentrer. Désolé si je parle pas beaucoup. C'est moi qui galère un peu là. J'ai quelques soucis d'ordre relationnel. Ah! Du coup, la moitié que j'ai fait envoyer là-bas parce qu'il y avait plus personne, bah il faut les refaire revenir. Oh là là! Ils font vraiment chier. Ils me font chier. Je suis en train de péter les câbles. Oh là là! Et puis il y avait eux qui étaient en train d'avancer en permanence. Flinguez-moi. Allez, fini, c'est moi celui-là, il a plus rien. Oh là là. Attaquez-moi ça. On finit ça, c'est histoire de le finir, j'en ai marre. Capitaine, dites-moi pourquoi je me retrouve toujours face à une épée quand nous sommes ensemble. Alors. C'est bon? Peut y aller? On va y arriver? Ou pas? Ouais, ça va être compliqué tout ça encore. Allez! 304! Y'a moyen, y'a moyen, y'a moyen! S'il vous plaît! J'en ai marre! Cette mission me pète les noix! Oui! Oh, ça m'énervait tellement. Les mecs qui popaient, il y avait que des attaques à distance. Du coup, ça les attirait. Ah là là! C'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé dans cet épisode. Et puis aussi parce que je me suis salé en perdant sur Overwatch juste avant. Mais il faut pas le dire. Bon, bah voilà. Un peu désolé pour cet épisode un peu foireux. Bon, les cartes, on s'en fout. Les cartes sont fous parce que c'est pas du tout le genre de truc que j'aime bien. C'est là, ça pour le coup, ça m'a énervé. Alors, décembre 1421, je ne me serais jamais attendu à découvrir une nature encore inconnue. Combien d'heures ai-je passé dans ma jeunesse à scruter par-delà les eaux agitées du Jingxiang, m'inventant une destinée pareille à celle que je vis à l'instant. Mais le temps des rêves est révolu. La vie de mon équipage dépend de moi. C'est en plein Yucatan. Au bord du monde. Oui, la colonisation. Vraiment pathétique. Même ici, aux confins du monde, les hommes ne cessent de s'entretuer. En parlant de pathétique, avez-vous vu l'amiral? Notre valeureux commandant a disparu. Je crains bien qu'il n'ait été capturé avec les autres. Pas d'inquiétude.
Croyez-moi, un amiral dans ce genre-là, ça ne manque pas. Peut-être que tu avais raison, et que Jin Hai suit sa propre voie. Si oui, il est sans doute à la merci de la nature. Mais alors, dans ce cas, rien ne nous retient ? Si, des compagnons qui sont tombés. Nous nous devons de les retrouver à tout prix, et avant la tombée de la nuit. Je crois déjà savoir où commencer les recherches. Mais non, on va pas les chercher. S'ils sont... T'as dit qu'ils sont tombés, ils sont morts, laissez-les. Ouais, je suis pas très convaincu en fait par la trame narrative de cet acte. Sauvetage en terre sauvage. J'ai repéré nos compagnons, mais les ennemis sont trop nombreux. Courage! Nos compagnons comptent sur nous pour les sauver avant qu'ils n'atteignent le camp des ennemis. Ok, mais on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu malgré le fait que je n'ai pas beaucoup parlé j'ai pas beaucoup commenté le gameplay parce que j'étais concentré. Puis ça m'énervait un petit peu. Je dois dire que ce genre de mission m'énerve au plus haut point quand il y a des unités qui viennent te chercher, tu peux rien contrôler, les mecs qui partent dans tous les sens, c'est très très casse-pied. Donc je suis un peu désolé de m'être énervé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein. N'hésitez pas à me hurler dessus, non, c'est pas très sympa, mais à me dire ce que vous en avez quand même pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à la chaîne si cela vous a quand même un peu plu. Et puis voilà, on se retrouve dans 4 jours en espérant que j'ai dessalé d'ici là. Et puis voilà. Allez, salut à tous, portez-vous bien.